Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique GBFKE. Donc vous connaissez cette boutique, c'était Diamant Painting. C'est pas le premier partenariat que je fais avec eux et j'adore cette boutique. Donc ils m'ont demandé de choisir. J'ai choisi des articles et du coup, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai choisi deux toiles, un accessoire, enfin deux accessoires en fait, dont une côté. Donc, j'ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer ceci. Donc, vous le connaissez, je l'ai déjà eu, mais il s'était trompé, c'était un aburon et en fait, c'est un stylet à diamant carré. Donc, voilà. C'est pour voir si c'est plus facile avec ça. J'avoue que celui avec le bourron, je m'en sers beaucoup. Je l'aime beaucoup. Du coup, je me suis dit que peut-être ce serait mieux de faire les diamants carrés avec ce stylet. Du coup, je vais le tester et on verra bien. Bien entendu, je vous mettrai le lien des articles que j'ai choisis ainsi que le lien de la boutique et le code promo qu'ils ont mis en place pour vous en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais cela vous intéresse. Ensuite, on va regarder la toile. Alors, hop, je vais y arriver. C'est statique. Ah, je suis désolée pour la lumière, mais il fait très très chaud, du coup je suis un peu dans le noir. Voilà, c'est la lumière artificielle. Voilà. J'avais craqué. J'ai vraiment littéralement craqué sur cette toile. Alors, il s'agit d'une tête de mort. Alors oui, je sais, mais j'aime beaucoup les têtes de mort. Alors, j'en ai jamais pris en diamant peinté. Mais celle-là, avec les roses rouges et tout, j'ai vraiment pas pu résister. Donc, c'est une 40 sur 50. Voilà. Et franchement, j'adore. Nous avons 22 couleurs avec bien sûr les DMC. C'est super bien imprimé par contre. Ça colle hyper bien. Donc vraiment que du bonheur. Alors oui, c'est un peu spécial, mais j'aime beaucoup. Et c'était dans les nouveautés. Et bien entendu, nous avons le diamant rond. Oui, c'est des diamants ronds. J'ai peur. Bon, cela dit, j'ai pas mis les lunettes. Je vais pas vous les ouvrir. Hein. Voilà, je vous montre juste un peu comme ça les couleurs. Après, c'est des diamants ronds normaux. Hein. Donc, là. Et bien entendu, nous avons le kit de base. Il y a deux pains de colle. Voilà. Donc, franchement, elle est trop, trop belle. Je l'adore. Vraiment, j'adore. Et la toile est plus souple que d'habitude. D'habitude, elles sont un peu plus dures. Là, je la trouve plus fine, mieux. Voilà, moins épaisse. Je vais y arriver. Je suis désolée, aujourd'hui, c'est un peu... La chaleur, c'est beaucoup, beaucoup de chaleur d'un coup. Ensuite, on va peut-être regarder la nouveauté. Alors, c'est pour le rangement de diamant painting. Et... Et là, je me suis trompée en fait. Donc, il s'agit d'un classeur. Et je me suis trompée, mais j'ai coupé le classeur. Je me suis trompée dans le lien, je pense. Je vais vérifier. Mais... Donc, en fait, il s'agit de classeurs comme ceci. Et voilà, du coup, je ne peux pas vous le montrer. En fait, il y a plusieurs kits, il n'y a que le classeur. Il n'y a que les feuilles en plastique. Et après, il y a le kit, le classeur avec les feuilles, les numéros pré-imprimés des DMC et tout. Et en fait, c'est pour mettre les feuilles en 4, vous savez, pour ranger les diamants avec la DMC quand on a fini. Du coup, j'ai trouvé ça très, très bien. Bon, là, c'est pas grave puisque moi, j'en achèterai des feuilles pour celui-là. Et de toute façon, je pensais en avoir plusieurs puisque je voulais en faire pour les diamants rond pour les diamants carrés et un pour les diamants spéciaux. Il y a plusieurs couleurs, il y a en rose, il y a en vert, il y a en bleu,
et en argent, je crois. Bref, voilà. Donc, vous l'avez que le classeur, que les pochettes. Donc, si vous manquez des pochettes, vous pouvez toujours en rajouter. En plus, il y en a quand même pas mal de pochettes. Voilà, dans le kit, il y a les petites pochettes aussi pour mettre les diamants peintis. Vous savez, les toutes petites pochettes transparentes. Voilà, et il y a les pochettes plastiques pour mettre les diamants. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça très très bien. Bon, dommage que je me sois trompée dans le lien. Voilà, mais c'est vrai que j'en avais regardé plusieurs et qu'au début j'avais mis celui-là et voilà, j'ai dû demander celui-là. Donc voilà, et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. En plus, je suis en plein dans les rangements, donc c'est très bien. Et pour finir, j'ai craqué sur une autre toile qui, si mes souvenirs sont bons, est une nouveauté aussi, puisque c'est un peu le même style que l'autre. Sauf que c'est, et là je pouvais pas la laisser, un chapeau. Alors, c'est un magnifique chapeau. Je suis désolée. Voilà. Avec, alors, ces chapeaux, ils ont un nom, je sais plus ce que c'est. Haute forme, non, je sais plus. Bref, vous voyez tout à fait ce que j'aime avec des roses rouges dans les noirs et blancs. Et il y a même le petit papillon. Donc franchement, elle est de toute beauté. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc pareil, c'est un 40 sur 50. Il colle super bien. Il y a 22 couleurs avec les DMC. Et là, vous n'allez pas le voir. Non. Vous n'allez pas le voir. Bref, je suis désolée, j'arrive toujours pas à faire la mise au point. Il est magnifique. Voilà, donc une pure merveille. Et c'est super bien imprimé. Là, franchement, j'adore. Donc, bien entendu, là, nous avons les diamants ronds. C'est à peu près les mêmes couleurs que l'autre, hein, puisque voilà, c'est dans les mêmes couleurs. Et nous avons le kit de base avec deux peines de colle aussi. Donc, franchement, c'est top. Donc, voilà, pour ce unboxing GBFKE. Franchement, je suis aux anges. Donc, merci beaucoup, GBFKE. Je les remercie de m'envoyer à chaque fois des produits. Moi, je me régale. Ce stylet, je vous en donnerai des nouvelles très vite. Voilà, il faut juste que je me mette à faire un diamant carré pour pouvoir vous dire mon avis. Là, je suis en train de faire une grande toile orchidée, mais dès que je l'ai fini, je pense que je ferai avec des diamants carrés pour voir, pour le tester. Donc voilà, les rangements, top. Bon, je vais me procurer les pochettes. Et je vais essayer d'en avoir un autre et je vous en redonnerai des nouvelles de toute façon. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les produits vous plaisent et que ben, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas le code promo pour payer moins cher. Voilà, hein, parce que il n'y a pas de petites économies. Sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.